Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série, sur Europa Universalis 4 avec la France. Alors on va prendre des technologies, on va pas les prendre, on est trop en avance, ça coûterait trop cher. Et ça nous ferait perdre des bonus, enfin non, ça augmenterait les bonus, mais ça ferait perdre beaucoup de points, là on la payerait à combien 695 alors qu'on a un malus de 45% parce qu'on a 5 ans d'avance, donc c'est inutile. On a toujours un militaire. Un général en trop, mais c'est pas très grave parce qu'on voit qu'en militaire ça va. Quand elle va passer ici, elle va devenir dirigeante, on sera content d'avoir cette avance sur les militaires, je pense. Alors, on a un pot de Mourad, il n'y a pas d'héritier légitime. Ah, si je réclame le trône... On pourrait réclamer le trône de Bohème. Pourquoi on peut faire ça? Parce qu'on a la même dynastie ici. Pot de Mourad. Z pot de Mourad, je sais pas comment ça se prononce. Et ils ont pas d'héritier. T'as quel âge? 17 ans. Ça va... Ça va pas faire grand chose en fait, parce que je suis en train de me dire, voilà. Vous voulez un... Cela va nous allouer un Cassius Belli pour en faire le partenaire mineur d'une union personnelle, mais aussi dégrader nos relations avec tous les pays avec lesquels nous avons contracté un mariage royal. Si on regarde... Y a que la Bohème avec qui on a, donc ça coûte rien du tout, on va juste perdre 20 de prestige. C'est pas très grave ça. Pour le gain possible. Hop. Et donc, pour lui déclarer la guerre, faut plus qu'on ait d'alliance. Ce Cassius Belli, il dure jusqu'en... Non, c'est la Pologne, ça, pardon. Je le vois pas. Je le vois pas, ce Cassius Belli. Revendication 32 contre la Bohème. Et où la Bohème? Là. Je sais pas. Je sais pas combien de temps il dure. Bon, par contre, il va falloir... Ah, on va perdre la puissance admin. Il va falloir dissoudre l'alliance, on aura une trêve de 10 ans. C'est pas dramatique, ça. De toute façon, il n'est pas dans notre guerre, donc on perd pas un allié de poids. Et voilà, donc... On a une trêve jusqu'en 31. Poméranie, état pontificaux... Ouais, donc Poméranie... État pontificaux, enfin des tout petits alliés. Elle est rivale de la Pologne, de l'Autriche et du Brandebourg, donc aucun allié possible dérangeant, on va dire. Ok, donc on est en train de ramener nos troupes en vue d'une attaque contre la Bourgogne. Fait venir les Ottomans. Voyons voir, juste. Je crois pas qu'on les a rivalisés là, mais la Bourgogne, non. Ouais, dans les opinions négatives, ils doivent être pas très loin. Bon, on va taper Bourgogne, ce sera plus simple. Voilà. Ok, t'as quasiment la moitié de troupes en moins par rapport à moi. Et t'es tech 9, on est tech 10, donc très bien. Non, attends, juste un truc, je vais voir. Donc faudra ajouter 80. Ouais, 340, on a bien plus de morale que toi, ok. Donc on va juste attendre tout simplement. Je dis ça mais elle bouge pas mes troupes. Oui, parce que je les ai pas rappelées. Et à tous les coups, les bateaux sont dans le nouveau monde. Non, ils sont là. Très bien. Donc ça va aller assez vite. On a la Bretagne à terminer aussi. Attends. Ouais, si, c'est bon. On avait Cassius Belli nécessaire, j'ai eu peur. Et encore un petit peu. Et on va être bon. Ah oui, non, c'est toi que je voulais ramener. Ah, il me faudrait plus de navires de transport, on va en faire, mais... J'ai envie d'abord d'avoir les 20 vaisseaux lourds. On gagne combien? On gagne 12, wow. Pourquoi on gagne 12 tout d'un coup? Ah, parce qu'on paye plus tout ça, à mon avis. Est-ce que mes... Nation coloniale me verse. Ouais, ça me verse que 2 en fait. Hein.
Tourner à fond? Non, pas encore. Bon, ok. Ok, allez. On attend gentiment que nos troupes reviennent. En attendant... Oh, il est pleutre, génial. Moins 5% de morale terrestre. On l'a pas encore ici, le pleutre. Perdant la puissance militaire. On va attendre la fin du mois qui recalcule. Tu me le mets pas. Ah, mais c'est mon héritier. Génial. Elle sert vraiment à rien là. Mais bon, on va faire avec, c'est pas grave. Défaite ? Oh ! Ils se sont fait éclater. Bon, c'est pas très grave, on en avait plus trop besoin, on avait découvert ce qu'on voulait. Ici, on peut enlever lui, du coup, on va arrêter de perdre un point de puissance militaire à chaque fois. Là, t'es en train d'aller les chercher, là, on prend de l'attrition pour rien. T'es en guerre contre qui ? Quito, foiré. Quito. C'est ici. Comment t'as fait ? Ah, avec la nouvelle grenade. Ouais, d'accord. Donc, va vite falloir manger ça. Bon, on a de l'argent, on va faire les navires. On en est à 2, 3, 4, 5. On a mis 2 là, non. 5. Voilà, 5 de plus. 4 de plus, pourquoi tu me joues en compte 5, je sais pas. Ok, revenez là. Et on va patiemment attendre que... que nos troupes arrivent. Mais attends, la Navarre, je l'ai récupérée? Ou je l'avais oublié, ça? Je l'avais oublié, t'as fait aucune revendication? Si, ouais, bon, y a de quoi bouffer la Castille, pas cher, ok. Il va faire encore deux allers-retours, ça va être long. On a perdu Cassidy Conquête, c'est pas grave. Et ici... Ouais, on va bientôt avoir... Voilà, la Louisiane française, hein, impeccable. Donc, est-ce que ça change notre solde? Est-ce que c'est ça qui a changé notre solde? Ouais, 14, très bien. Et 17 du coup. Donc, on peut continuer à faire des navires. Luc 13. Je suis à combien au Québec de colonies? 4, ok. Faut plus revendiquer Londres, hein. Bon, c'est pas dramatique. On refera les revendications. Et on a un marchand libre parce que... Enfin, un nouveau marchand. Ah, parce que le Mexique, à mon avis, c'est ça. Non, c'est les Antilles. Ah, ils ont dû terminer une colonie, ok. Donc on a un marchand de libre, super. Alors, tu sais quoi? Au niveau du commerce, alors... Bah, tu vas commencer à balancer toute notre puissance commerciale d'ici. Normalement, il va le faire vers Bordeaux. On va attendre quelques jours. On a trop de points. Niveau de développement. On va faire comme ça va être plus simple. Paris, je l'ai pas amélioré plus que ça. Ah non, c'est juste que j'ai plus une province à moins de 10. C'est quand même pas mal ça. Quelle province on pourrait faire passer? Celle-ci, 1, 2, 3. Voilà. T'es en guerre contre la Bourgogne, oui, passe. Donc dans 22 jours... Ok, celui-ci, très bien. C'est un 79 qui transfère, très bien. Ok, bon, ça c'est fait. Bon, il y a des paix qui se font ici. Et un dernier voyage, et on est bon. Vas-y, mange ce que tu veux là, que ça te fatigue un peu. Tu peux revenir, toi. Alors, on va commencer à faire un réseau d'espions ici. On pourrait faire un mariage royal avec la Bourgogne, c'est quand même dingue ça. Mais non, on va pas le faire.
Mes rivaux. Attends, je crois que j'ai pas envoyé de. J'ai pas mis d'embargo. Si, je l'ai mis. Pologne, j'ai dû le mettre. Castille aussi, je pense. Ouais. Pologne. Je l'ai mis aussi. Ah, parfait. Alors, vu qu'on gagne plein d'argent. Est-ce qu'on a encore de l'inflation? Ouais. Combien il faudrait? Putain, 180 puissance démissionnaire et sinon 200 réduction de l'inflation. Je pense qu'on va attendre ça pour la puissance démissionnaire, ça va être plus utile. Ça va être plus utile. On va avoir des guerres de religion bientôt. On va gagner moins d'argent. Oh, l'Ottoman, c'est pas le moment! Contre Mamelou, Kalassa, Chamar, Tunis, Hormuz. Putain, tu fais chier. Tu vas t'en sortir, non? T'as qui avec toi? Akoyonlu, ici. Toi, t'es qui? Toi, t'es ça, d'accord, super. Et qui d'autre? T'as Tunis. T'es en guerre contre qui? Bon, Ottoman, je compte pas les miens. T'es en guerre que contre l'Ottoman? Ils sont pas venus, tes alliés, non? Bon, on va voir comment ils se débrouillent. Nous, on n'a pas besoin de lui, de toute façon, là. Bourgogne, t'es en guerre contre qui? Nivernais, Mayence, Geldre. Ah, on a de bonnes relations, je crois. Non, ça va. Il n'y a que les états pontificaux qui viendraient, c'est 11 troupes. Sachant que toi, t'es en train de te battre. Ah, je pense que c'est le bon moment, hein. On peut le choper là, en plus. Nivernais, ils seront avec nous. Enfin, ils seront pas contre nous, en tout cas. Ah oui, go. Hop, voilà, ça a bien commencé, déjà. Et on les éclate, très bien. On va venir prendre l'Auxerrois. On peut prendre une doctrine et on peut prendre une tech. Prenons une doctrine. Missionnaire plus 1, oui. Ce sera fait. Et maintenance des forteresses moins 20. Ça c'est très bien, on va gagner plus d'argent. Ici on va venir prendre là. Tadoussac est terminé, super, on est à 4. Non, ici il y a moins d'hostilité. Ouais, voilà. Il galère à faire ses colonies, le britannique. Ok, on revient ici. On est bien l'attaquant, ouais, ça va. Le plus revendiqué, Sussex, c'est pas grave. Promotion de l'encomienda. La question des populations indigènes ne peut être négligée. Il est en effet de notre devoir de nous assurer qu'elles sont protégées de l'hostilité de leurs voisins et qu'elles découvrent les bienfaits de la civilisation et de la véritable foi. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le projet de confier cette responsabilité aux colonisateurs. Chacun d'eux recevra la charge d'un certain nombre d'indigènes afin d'être tout à la fois leur tuteur et leur protecteur. Mais il est bien évident qu'ils n'accepteront jamais de faire cela gratuitement. Aussi les jeunes indigènes... Ces indigènes, pardon, devraient-ils en retour leur fournir un certain nombre de jours de travail? Quelle idée généreuse! On gagne de la prod à Lévis et perte de 5 d'hostilité, si tu veux. De toute façon, on n'en avait presque pas. À exiger une contribution, c'est terminé, ok. À convoquer la noblesse, c'est terminé. Et déclin de la noblesse, bon, ça s'est équilibré. On a encore trop de points, continuer à développer. Faire passer des provinces à 20. Mince, je clique une fois de trop. Mince, c'est non, je suis bête, c'est ça. L'habitude. Bon, heureusement qu'on a de l'avance. Voilà. Permettre de gagner un peu plus d'argent avec la production.
On a combien? 15, 76? 16, 16, c'est mieux. Droit du mouvement d'être terminé de faire effet. Alors là, est-ce qu'on va pouvoir... pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une influence suffisante. Faisons ça. Char du nouveau monde. Gagne 20. Et on prend le soutien diplo. Ce sera fait ici. Ça les ferait passer à plus 10, on peut. Et on va exiger le soutien administratif. Voilà. Très bien. Et je suis bête parce que j'ai pas fait ce que je voulais faire. En 39, on pourra, d'accord. Siège de l'Auxerrois a remporté, super. Toi, tu vas où? Nulle part, on t'a chopé. Le pape qui essaie de passer en loose D. Ici, on peut pas. Tu vas où? En ré, toi. Bon, on va s'occuper de ça, c'est pas grave. Ah! Ouais, non, c'est pas très grave. C'est le Nivernais qui fait le siège, mais... ouais. Quoique, bon, s'il va vite tomber, on va le laisser tomber de toute façon. On l'aura pas ce siège sinon. On gagne combien? 3. Okay. Les bateaux. Vous venez là. Alors, expansion coloniale. Gain de 200 de population dans les 7 îles. On colonise déjà les 7 îles. C'est où? J'ai perdu mes colonies. Oui, oh, carrément. On perd 30 ducats, oui, carrément. Tu vas là. T'as qu'un de manœuvre. J'ai un de manœuvre. Attends, qui est-ce qui arrive le premier? C'est lui. Ok, bon, je te le laisse. De toute façon, tu pourras pas le légitimer, je pense pas. On va venir taper sur le pape. Ok, on va attendre qu'il se lock. Et voilà. Impeccable. On pourrait prendre l'Auxerrois, je pense qu'on va aller... Oh bah parfait, ils sont en train de s'occuper du pape, ça c'est génial. C'est l'avantage d'avoir de bonnes relations avec nos vassaux. On a remporté siège de Franche-Comté, c'est très bien, on va venir ici. On va aller faire ce siège. Oh non, ils l'ont pris. Et il s'arrête là, génial. Bon, mais t'occupes la province de Lorraine, c'est très bien. Toi, viens aider ici. L'autre, au moins, tu t'en sors comment? Tu t'en sors bien, t'as pas besoin de moi. Non. Pourquoi pas? Il est tout seul, hein. Tout le reste, c'est moi. Mais il s'en sort très bien. On va le laisser galérer, même. S'il doit galérer, c'est pas grave. Ah, ça y est, ils ont fait la paix. Donc, bon, on va laisser faire le siège ici. Donc, en fait, toi, tu viens là, faire le siège. Le Nivernais a pris ça, ça. Et voilà, c'est tout. Et nous, on va revenir là. Voilà. Voilà, ils sont en train de renvoyer des troupes. Notre général est mort. Un de siège, c'est... ça va, ça me convient. J'ai encore un mec de trop ? Ah oui, parce que j'ai demandé au... c'est vrai. J'ai demandé à mes ordres, c'était juste pour faire monter l'influence. Donc voilà, ouais, 2000 troupes ici, ils vont venir rejoindre ici. Faut être 9, ah bah du coup, ce serait que 7 les gars. C'est pas grave. Ouais, il y a 14 000 troupes quand même ruinées ici. Mais bon, ça va aller tranquille. Attends, mais c'est des mercenaires tout ça, non?
moi je pense. On les aurait vus s'ils les avaient recrutés ici, j'ai pas vu d'armée à... d'armée bourguignonne dans le coin. Le Dijonais c'est terminé. On peut pas passer là forcément. Là non plus. Ah, on a perdu notre revendication, pourquoi ils avaient eu un héritier? Ouais. Il a une légitimité forte. S'il avait une légitimité faible, on aurait pu. Tant pis. Tant pis. Terminer le siège du Barrois, c'est très bien. Ah, bon, faisons le siège de Luxembourg. De toute façon, ils sont bloqués ici, ils pourront pas faire grand chose. Alors, on perd l'inflation, on perd la stab. Ou on prend l'inflation. Si je veux baisser l'inflation, ça me coûte des points de mine, 73. Si je veux monter la stab, ça me coûte beaucoup de points admin. Donc prenons de l'inflation. On va baisser de 2 crans. Ça fera les points de mine un peu moins que les points de mine qu'on aurait payé avec la stab. Ici, on s'occupe de... Ouh, on galère, c'est pas possible. Ils ont pris une tech de plus que nous. Je suis pas allé assez loin comme un idiot. Revenez là. La puissance admin, oui. Le pape, on l'assiège toujours. Trahison contre la France. Alors, on perd de la puissance militaire, du professionnalisme, ou on gagne de l'agitation en Gascogne. Bien, gagnons de l'agitation en Gascogne, c'est pas grave. Toi, reviens là, là. Bon, ils sont repassés en moyen ici, mais leur enthousiasme de guerre va prendre un coup, vu qu'on a récupéré nos troupes ici. Et on pourrait renforcer. Ah, il serait bien qu'ils tombent ce siège. D'ailleurs, on peut venir là? Non. Viens là, là. Ouais, au prochain mois, ils tombent, à mon avis. Ah, du coup, ils ont arrêté leur siège. Vous êtes où là? Juste dans des bois, c'est pour ça que j'ai galéré autant? Ah, oh, 71%, sérieux. Allez. Juste voir un truc, l'ottoman. Ah, c'est ça, ouais. Bon, en soi, c'est pas très grave, c'est notre vassal. Ce qui m'importe, c'est ces régions, elles sont très développées, voilà, ça va rapporter un max. Quand on aura récupéré au moins... On va pas pouvoir récupérer tous les tas, je pense que ça va faire une coalition sinon. Mais on pourra récupérer une bonne partie. Je pense, 1, 2, 3, ça passe. Le quatrième, ça va être chou. Ok. Goodbye les bourguignons. Tu vas... en Franche-Comté. Tu allais en Franche-Comté. Ici, on vient prendre ça. Bon, on l'aura pas, lui, c'est pas grave. On l'aura comme ça, chez le pape. Mais vous êtes sérieux? Qu'est-ce que vous faites, là? Pourquoi vous avez arrêté le siège? Les Mamelouks sont remontés jusque là. Bon, on va s'en occuper après, c'est pas grave. Qu'ils aient pris ça, c'est vraiment pas grave. Ils se font assiéger par les Ottomans ici. Ça va. Ça va aller. On peut prendre une tech. Ouais. Allons-y. Celle-ci, on peut parce qu'on va pas avoir de nouvelles troupes. Tech 11. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. J'ai pas regardé. Non, tech 10. Le Mamelouk, t'es tech combien? T'es tech 9. On est tech 11. Ok. Donc dès qu'on a pris ça, on vient de casser les dents. La Bohème qui t'a déclaré la guerre, l'Autriche. Juste pour une province.
Enfin, casse de Bellini, une province. Ok, ici c'est terminé, on a tapé là-dessus. Et ces boulets d'Antillais qui auraient pu soutenir ici, mais non. Ils ont décidé de lâcher Navarre, et du coup le siège est reparti à zéro, super. Bon, ça devrait être un stack wipe, je pense. Ah non, peut-être pas. Si, stack wipe. On va attendre de récupérer une morale, et on peut déjà reprendre... Mais non, on va attendre une doctrine, j'allais dire. On va attendre juste de récupérer du moral. Saint-Laurent, c'est terminé. On a les 5, c'est très bien. On va venir faire la Floride, maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les toutes ces petites icônes-là. Ça, c'est bon pour le commerce. Prenons Manhattan, attends. 7, 10. Chesapeake, c'est 10 aussi. Faisons Chesapeake par exemple. Voyons un colonisateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode. J'ai pas vu l'heure. On va arrêter l'épisode là. Prochain épisode, on termine cette guerre contre la Bourgogne. Parfait, ils ont fait une revendication ici. Toi, t'as pas encore fait de revendication. Ce serait pas mal que t'en fasses, sincèrement. Ouais, bah, tu vas pas pouvoir en faire beaucoup, t'es en train de coloniser, c'est très bien, il va coloniser tout ça à terme. Le Brésil portugais, je pense pas qu'il puisse faire de revendications, mais tu colonises. Ça c'est pas moi qui l'ai fait, je crois. Attends, c'est quelle province? Si Pambou, c'est moi. Borborema, on avait vu, Sergripe, ça c'est ma première colonie, et ça aussi. Bon, il colonise pas encore. D'accord, bon bref, on a plein de choses à voir dans le prochain épisode. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'arrête là pour celui-ci. Il va falloir éclater cette troupe aussi. Et voilà. Allez, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode et je vous dis à bientôt pour la suite. Salut à tous.